Hello les mufas! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler des signes qui prouvent que tu es son plan B. Des signes qui prouvent qu'il y a une autre personne dans sa tête et que tu es là en roue de secours. Alors cette vidéo elle est pour les filles, pour les garçons, pour tout le monde et il y a 6 signes qui prouvent qu'une personne te prend comme son plan B. Mais avant qu'on en parle et je vous balance ces signes, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur mon compte Mime. J'ai créé un compte Mime, un compte OnlyFans, où je poste tous les jours des photos et des vidéos de moi en sous-vêtements, en lingerie et en nu artistique. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil à ma petite galerie d'art. Le lien est juste en dessous dans la barre de description. Et puis maintenant que ça c'est dit, place aux 6 signes qui prouvent que tu es son plan B. C'est parti! Alors, le premier signe, je pense que c'est un des plus révélateurs, c'est si cette personne te lâche au dernier moment. Qu'elle prévoit des plans avec toi, qu'elle prévoit des sorties, et qu'au dernier moment, elle te dit qu'elle ne peut pas, qu'elle te sort toutes plein d'excuses, pas très cohérentes, de dernière minute. Ça, ça sent le roussi. Ensuite, un deuxième signe que cette personne te prend pour son plan B, c'est si tu ne sais pas te positionner avec cette personne. Si tu remarques qu'il ou elle est d'humeur changeante et qu'il ou elle est un petit peu blanc et noir. C'est-à-dire qu'un jour, il ou elle va être accro à toi, cette personne va t'envoyer des messages tous les jours, elle va te dire des mots doux, et le lendemain, elle ne va pas te calculer, tu n'auras zéro message, aucune explication. Juste, il y a des moments où elle sera à fond et il y a des moments où elle va te zapper. Si c'est le cas, c'est probablement un signe que tu es son plan B. Ensuite, en troisième, un des plus gros signes, c'est s'il n'y a aucun nom sur votre relation. Si ça fait un moment que vous êtes en relation, que vous êtes comme un couple et que vous agissez comme tel, mais qu'il n'y a aucune étiquette sur votre relation, que cette personne dit qu'elle ne veut pas poser d'étiquette, qu'elle ne veut pas mettre un nom dessus, c'est probablement un signe que tu es son plan B. Ensuite, en troisième, un signe qui prouve que tu es son plan B, c'est si cette personne refuse toutes sortes d'engagements avec toi. Que ce soit, comme on l'a vu, de mettre un nom sur votre relation, ou bien même de fuir les mini-engagements au quotidien. Si par exemple, tu lui proposes de vous voir avec tes amis et que cette personne refuse, qu'elle ne veut pas rencontrer ton entourage, qu'il ou elle ne veut pas rencontrer ta famille, bref, qu'il ou elle essaye de ne pas trop apparaître aux yeux du grand public, c'est probablement un signe que tu es sa roue de secours. C'est pareil si cette personne change de sujet ou évite la question quand tu lui demandes de faire des projets dans le futur, des sorties dans 6 mois, dans 2 mois, et que cette personne ne sait pas se prononcer si elle est là ou si elle n'est pas là, c'est un mauvais signe. Ensuite, en quatrième, il y a bien une seule chose sur laquelle cette personne s'engage si tu es son plan B, c'est le sexe. Si il ou elle est toujours chaud pour du sexe, qu'il ou elle est toujours là, qu'il ou elle répond toujours présent, que cette personne vous en parle souvent et même parle presque que de ça, ou bien par exemple si vous parlez d'un sujet tout autre, que vous parlez de vous ou que vous parlez de cette personne et qu'il ou elle change de sujet pour amener ça sur du sexe, c'est un signe que tu es son plan B. Et enfin, le sixième et dernier signe qui prouve que cette personne te prend comme plan B, c'est si elle ne cherche pas à te connaître davantage, qu'elle ne te pose pas de questions sur ta personnalité, sur tes passions, sur tes hobbies, ton travail, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ton plat préféré. Bref, qu'elle ne cherche pas à apprendre à te connaître un petit peu plus, qu'elle reste vraiment en surface, que vous vous voyez toujours que tous les deux, dans des endroits pas très publics, qu'elle ne vous prend pas la main dans la rue, bref, tout ce genre de petits signes qui prouvent que tu es probablement son plan B et qu'elle pense déjà à sa prochaine vraie relation. Du coup, voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâche un pouce bleu et venez me dire en commentaire si vous pensez que cette personne vous prend comme un plan B ou pas. Balancez-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Et n'hésitez pas au passage à me rejoindre sur Instagram. C'est là-bas où je réponds à vos messages en privé, c'est là-bas où on papote, où je vous fais participer à mes prochaines vidéos YouTube. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et puis quand ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. Attendant, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous.